Donc bonjour, j'ai la chance aujourd'hui de vous annoncer les candidats qui ont été sélectionnés pour participer à la finale du concours Création et Saveur de président professionnel. Et même s'il ne sera pas le gagnant final, peut-être qu'aujourd'hui dans les dossiers, on a eu un gagnant et ce gagnant est Romain Pailleraud, le plus joli dossier qu'on a eu à juger. Par la suite, on a eu Boris Tronco, Philippe Lissandro, je suis désolé si je bafoue sur les noms, Benoît Fallot, Simon Avage, Maurice Alexis, Maxime Bocquier, Thibaut Erard sont les 8 sélectionnés. Mais sur décision exceptionnelle du jury que j'ai la chance de former avec Eric Prat aujourd'hui, nous avons sélectionné une 9e personne qui s'appelle Émeric Delouis, qui nous a proposé un dossier qui méritait de faire partie des finalistes. Pour conclure ce concours, le suppléant au cas un des finalistes ne puisse se rendre le jour J, nous avons décidé de garder Gary Tristan. J'aimerais vous dire combien on a eu la chance de participer à cette sélection. La qualité des dossiers et des prestations nous ont étonnés, surpris par l'élégance, par la gourmandise, par l'originalité, par l'investissement. Et j'aimerais dire un mot d'encouragement à tous ceux qui n'ont pas été retenus, parce qu'on a eu une vraie difficulté, on a débordé le timing de beaucoup. C'est pas la crème qui a débordé aujourd'hui, c'est nous qui avons débordé en gardant 9 candidats, parce qu'il y avait trop de dossiers qui étaient de grande qualité. Et beaucoup sont passés à très peu d'être en finale. Donc j'allais dire, gardez votre envie et continuez, parce que la cuisine est faite de bonnes nouvelles, mais parfois c'est le lendemain.